Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Un jour, un événement. Nous sommes en plein dans le mois d'octobre, mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Ceci en raison de la célébration de la journée mondiale de sensibilisation et de lutte contre le cancer du sein. Une journée qui est célébrée le 19 octobre de chaque année. Tout un mois pour sensibiliser, pour informer et surtout pour dépister le cancer du sein. Et comme on aime si bien à l'appeler octobre rose. Et d'après l'Organisation mondiale de la santé, 2,3 millions de cas de cancer féminin ont été enregistrés en 2022 et 670 000 femmes sont décédées des suites du cancer du sein dans le monde. Au Cameroun, les chiffres indiquent une prévalence en hausse. Des ligues sont mobilisées, des associations, les hôpitaux, les personnels soignants également, tout un mois pour souligner l'importance du cancer du sein. Et il faut dire que depuis 2021, un plan stratégique national de prévention est de... Depuis 2021, un plan stratégique national de prévention et de lutte contre les cancers a été mis en place par le gouvernement camerounais dans l'optique de réduire de 10% la morbidité et la mortalité due au cancer du sein en particulier et au cancer en général. Et lorsqu'on parle de cancer de sein ou de cancer, on fait rapidement allusion à la mort. Et pourtant, on peut souffrir d'un cancer, suivre son traitement, bénéficier d'une prise en charge et se remettre de ce cancer. Et c'est le cas de notre invitée qui est sur ce plateau, Esther Tchouiné. Bonjour. Bonjour Mireille. Esther Tchouiné a souffert du cancer et aujourd'hui, elle est remise de ce cancer-là. Alors Esther, dis-nous, comment tu as réagi lorsque tu as découvert que tu souffrais du cancer? C'était même dans quelles circonstances? J'ai pensé, comme vous avez dit là tout à l'heure, quand j'ai su que j'avais le cancer, je savais que je devais mourir, je savais que je devais laisser mes enfants, mon époux, la famille, les projets dont j'étais, j'ai sombré. J'ai sombré quand j'ai su que j'avais le cancer du sein, mais les médecins, ils m'ont rassurée, je les ai écoutés, j'ai commencé mon traitement, il était très rude, mais j'ai tenu bon et aujourd'hui, je peux témoigner qu'on peut guérir du cancer du sein. Alors, c'était quoi ta réaction? Je vais mourir demain comme j'ai le cancer du sein. C'était ça? C'était... Comment tes proches ont réagi lorsque ils ont été informés de ta situation, de ta maladie? Ton époux, tes parents, tes amis, tes collègues? Dès qu'ils ont su que j'étais malade, tous se sont mobilisés. Je n'ai pas eu le temps de stresser parce que côté finance, il n'y avait pas de problème. Tout le monde m'a accompagnée sur le plan psychologique et comme j'aime à le dire, ça m'a aidé à 95%. Vous voyez, quand vous avez le mental, vous savez que vous allez guérir, les médicaments vont faire leur travail. Alors, c'était en quelles circonstances que vous avez découvert que vous souffrez du cancer? Vous avez quel âge? C'était à quelle époque? C'était en quelle année? C'était en 2021. C'était le 14 mai 2021 quand je reçois mes résultats. Cette date-là restera gravée dans votre tête. Ça restera gravée le 14 mai 2021. Mais j'ai commencé à avoir des signes en 2017. Oui. Je me suis endormie parce qu'on va noter que la boule n'était pas du tout douloureuse. Donc, je me suis dit, vous savez, ici au Cameroun, on va à l'hôpital quand on ne peut plus supporter la douleur. Donc, je savais que je pouvais gérer. Je pensais à tout sauf à un cancer. Et vu mon âge, j'avais 29 ans à l'époque, je ne me sentais pas du tout concernée. Donc, c'est une boule qui vous fait aller consulter. Oui, c'est une boule. Et la boule n'avait pas, il n'y avait pas encore de douleur. Juste une boule. Vous avez constaté que vous avez une boule. Oui. Et vous allez consulter. Et quand vous annonce que... Voilà. Sauf que là, on ne m'a pas annoncé. J'ai pris mes résultats. Moi-même, j'ai ouvert. Et le nom qui était marqué dessus, j'ai vu carcinome et j'ai tapé sur Google. J'ai vu que ça signifiait cancer du sein. Alors, donc, le médecin n'a pas eu le temps de vous expliquer que vous souffrez d'un remis. En fait, parce que j'étais quand même déjà inquiète parce que mes résultats faisaient ça. Non, va voir tel, va voir tel, va voir tel. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on me demande d'aller voir d'abord tel? Et après... c'est mon mari, en fait, qui a récupéré les résultats. Quand il récupère les résultats, je l'appelle. Tu as pris les résultats? Il me dit oui, chérie. Je dis, et qu'est-ce que ça dit?
Tu as vu Alain? Il me dit, oui, je l'ai vu, il a demandé que tu ailles voir professeur Tchente. Je lui dis, mais je ne peux pas la voir, pourquoi? Dis-moi ce que les résultats disent. Donc, c'était ça a créé le doute et j'ai creusé. J'ai trouvé ce que je cherchais. Alors, comment s'est déroulée la prise en charge? Une fois que vous avez découvert que vous souffrez d'un cancer de sein et que vous avez eu l'accompagnement psychologique, donc vous n'avez pas immédiatement pensé à la mort. Vous avez pensé à la mort? Bien sûr, j'ai mais pensé avec l'accompagnement psychologique, j'ai accepté et d'aller faire le traitement. Vous avez accepté d'aller faire le traitement. Est-ce qu'on vous a découragé que le traitement est long? On va te faire la chimio, tu vas perdre tes cheveux et tout. Est-ce que ça? Comment tu as réagi quand tu as décidé? Tu savais déjà à quoi tu t'attendais? En fait, on m'a préparé psychologiquement. Il y a l'oncolo qui m'a préparé. Mm-hmm. Il y a mes jeunes frères qui sont médecins qui m'ont préparé. Mais sauf que tant que tu n'es pas à l'intérieur, tu peux pas connaître. Parce qu'on m'a dit ça allait être lourd, ça allait être difficile. Mm-hmm. Je me disais, c'est un truc que tu te traites sur 4, 5, 6 mois et après, tu n'entends plus parler. Alors que quand tu entres dans ce cycle de surveillance perpétuelle, donc en fait, tu te reposes pas. Tu es toujours en train d'aller à l'hôpital pour des contrôles parce que tu as peur d'une éventuelle récidive. Alors, donc, quand tu commences ton traitement, ça dure combien de temps? Tu fais combien de séances de chimio? Et au bas mot, tu as dépensé combien pour pouvoir... une estimation, si je ne peux pas parler des chiffres ici, d'argent. Mais si je parle d'argent, ça va faire peur, mais c'est quand même assez lourd parce que vous imaginez aller à l'hôpital au moins 2 à 3 fois par semaine et ce pendant, disons, 8 mois minimum. Mm-hmm. Il y a les médicaments de la chimio. Vous pouvez ne pas trouver tous ces médicaments dans une seule pharmacie. Vous faites le tour des pharmacies. Il faut que vous vous alimentiez. Il y a maintenant l'opération en elle-même. Elle coûte cher aussi. Je me suis fait opérer à l'hôpital général. Et ensuite, il y a la radiothérapie. Grâce à Dieu, moi, j'ai pu bénéficier de la subvention de l'État. Donc, moi, j'ai payé 50 000 francs pour tout mon traitement de radiothérapie. J'avais en tout 30 séances. Donc 25 et 5, oui, 30 séances. Mm-hmm. Et c'était dans 50 000 fois 30? Non, 50 000 forfaits. Pour toutes les 30 séances? Pour toutes les 30 séances. Ça, c'est ce que l'État a fait pour les malades du cancer en ce qui concerne la radiothérapie. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne savent pas qu'il y a aussi des possibilités, ces facilités-là pour les personnes qui souffrent de cancer en ce qui concerne la radiothérapie. Et aussi les médicaments, parce que les médicaments sont subventionnés à l'hôpital général. Mmh. Oui, les médicaments de la chimiothérapie. Hôpital général de Douala, il faut le préciser. Hôpital général de Douala, oui. Voilà. Alors, Esther, aujourd'hui, tu es rémise. Donc, avant qu'on ne parle de rémission, je voudrais quand même savoir, est-ce que ton traitement, ta prise en charge, ça a été facile ou ça n'a pas été facile? Non, ça n'a pas du tout été facile parce que les changements étaient à tous les niveaux, mm-hmm. sur le plan physique, sur le plan psychologique. Donc, c'était difficile parce que là, tu te retrouves complètement diminué. Mm-hmm. Tu ne peux plus faire ce que tu faisais, tu ne peux plus t'habiller comme tu veux, tu ne peux plus danser, tu ne peux plus t'amuser parce que quand on fait la chimio, par exemple, on ne doit pas être où il y a beaucoup de gens parce que là, le système immunitaire, il est bas. Mm-hmm. Donc, on peut prendre facilement n'importe quelle maladie. Mm-hmm. Donc là, il faut apprendre à vivre pendant le traitement et il y a une vie après le traitement. Alors, pendant le traitement, si tu te permets, tu pouvais manger tout ce que tu voulais? Bon, il fallait que je mange, en fait. Mais sauf que le traitement, il vous pousse à ne pas manger. Il ne vous donne pas du tout d'appétit, mais il faut s'alimenter pour des forces. Il faut s'alimenter pour continuer à prendre des médicaments. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes remise de ce cancer-là. Est-ce que vous n'avez pas peur d'une certaine récidive? Bah oui, parce que quand je fais le flashback, je regarde tout ce par quoi je suis passée, je n'aimerais pas du tout revivre ça. C'est pour ça que j'encourage mes jeunes sœurs à faire le dépistage, parce que qu'elles ne disent pas que c'est une histoire, le cancer du sein concerne les femmes âgées. Moi, j'avais 29 ans quand j'ai découvert que j'avais le cancer du sein, donc n'hésitez pas dès que vous sentez une quelconque anomalie sur votre corps. C'est mieux d'avoir la confirmation d'un médecin qu'il ne s'agit pas de quelque chose d'alarmant. D'accord, parce que comme on dit tôt, le cancer du sein est dépisté et on a les grandes chances de pouvoir
être remis de ce cancer-là. Parce que comme tu dis, toi, la chance que tu as eue, c'est que tu as juste senti une petite boule, tu es allé immédiatement à l'hôpital. Alors qu'il y a des personnes qui attendent que la boule commence à faire mal, qu'il y ait des douleurs, qu'elle soit un peu plus volumineuse avant de décider d'aller. Oui, là, je vais avouer que ce n'est pas la douleur qui m'a envoyée à l'hôpital, c'est la présence de la boule. Voilà. Et avec insistance de mon époux, parce qu'il faisait que me dit, va mieux, on te dit qu'il ne s'agit de rien de grave. Voilà. Et j'y suis allée. Et c'était votre chance d'y aller rapidement, comme on dit. Alors, avoir un cancer de sein n'est pas synonyme de mort. Nous avons la preuve sur ce plateau et nous sommes dans le cadre de Octobre Rose, lutte contre moi, de sensibilisation, de dépistage contre le cancer du sein. Alors, Esther, aujourd'hui, vous accompagnez les jeunes femmes ou alors vous accompagnez les malades, les femmes qui souffrent du cancer du sein à avoir non seulement confiance en elles, mais également à croire à la réussite de leur traitement parce que c'est un élément très important. Vous avez décidé d'être un modèle aujourd'hui. Oui, j'ai décidé d'être un modèle parce que quand moi j'étais dans cette situation, c'est ce que moi je recherchais. Et on va dire que je suis quand même écoutée. Quand je discute avec elles, elles ont envie d'en savoir plus. Mais Esther, est-ce que quand tu avais fait ceci, est-ce que ça faisait ça? Mm-hmm. En fait, quand c'est moi qui explique, je pense que ça pèse un peu plus. Et oui, ça porte ses fruits. Parce que tu es la preuve vivante. C'est-à-dire qu'on dit souvent que l'exemple vaut mieux que la leçon. C'est-à-dire que quand le médecin va vous dire oui, c'est possible, on a des personnes. C'est ce qu'il a appris à l'école. On a des personnes qui ont survécu après avoir été victime d'un cancer. On ne croit pas trop au médecin. On dit non, c'est sûr que c'est pas vrai. Mais quand c'est quelqu'un qui montre ses résultats, qui montre ses analyses médicales, et qui dit voilà, j'étais comme toi aujourd'hui, je suis comme ça. Et alors on a plus d'espoir. Je dis qu'on pourra aussi être comme la personne demain. Alors, pour terminer, Esther, quel est le message que vous adressez aux personnes qui nous regardent en ce moment et peut-être qui souffrent de cancer du sein? Alors, je vais m'adresser à toutes les femmes qui souffrent du cancer du sein. Je vous demande d'être courageuses parce que vous en avez besoin. Il faut accepter désormais que votre vie ne sera plus pareille parce que ce sera plus pareil et suivez votre traitement à la lettre. Il ne faut pas tâtonner. Si vous avancez, vous avancez. N'avancez pas, ne vous arrêtez pas. Avancez, continuez d'avancer et surtout suivez les conseils des médecins à la lettre. Et comme on dit, l'accompagnement psychologique est très, 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 très important. Il va falloir que les membres des familles accompagnent les malades, accompagnent leurs proches. Parce que si ces personnes-là se sentent un seul instant délaissées, abandonnées, je suis sûre qu'elles ne pourront pas avoir la force de suivre le traitement. Et c'est seulement en prenant bien ces médicaments qu'on peut être remis d'un cancer du sein, comme c'est le cas pour Esther Suga. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cet autre numéro de Un jour, un événement consacré à la lutte contre le cancer du sein dans le cadre de Octobre Rose. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 qui se poursuivent.